Je suis Marie-Claire Farreau, responsable du service tourisme de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône. Donc, le territoire de la Coplaire, c'est un territoire qui est assez riche en patrimoine, avec notamment le château de la Roche, bien sûr, mais aussi un peu plus en direction de Lyon sur la Nationale 7, le village de Lay, qui est encore un village remarquable pour son plan concentrique qui rappelle son implantation médiévale. Donc c'est surtout les associations qui font vivre le sport sur le territoire de la commune autour d'activités assez diverses, très axées sur le sport de plein air, le sport de nature. La base nautique de Cordel, où nous sommes ici, a été retenue pour être centre de préparation aux Jeux Olympiques. Les délégations internationales qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pourront, quelques semaines avant, venir s'acclimater, vraiment prendre leur marque en France avant de pouvoir pratiquer vraiment la compétition des Jeux Olympiques.